Bonjour à tous, on espère que vous allez bien et que vos proches aussi dans cette période un petit peu compliquée et surtout que vous restez chez vous, voilà, c'est très important et on espère que ça va pouvoir se terminer le plus vite possible. En attendant, on s'est dit qu'on allait filmer une petite vidéo pour vous tenir au courant de notre projet, de notre deuxième jeu, donc Infiltré. Moi je me trouve actuellement juste devant les nouveaux locaux du projet Quartier Lyon puisqu'on a déménagé juste avant le confinement, donc pour le coup on a vraiment eu du nez sur ce coup là. Donc voilà, donc on est dans nos nouveaux locaux et on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo pour vous tenir au courant sur l'avancement du projet, donc de notre deuxième jeu Infiltré. Puisqu'en effet on avait préparé en fait une première vidéo mi-mars, enfin début mars, mi-mars, et on s'est rendu compte qu'effectivement bah, elle était du coup totalement fausse avec le confinement et ce que ça va entraîner comme modification, donc bah, on s'est dit qu'on allait attendre un petit peu pour vous faire une vidéo un petit peu plus précise avec des informations bah, plus à jour. Voilà. Où est-ce qu'on en est du projet? Donc grâce à vous, il avait été financé en financement participatif et sur les préventes, etc. Donc voilà, donc je vous redis merci au nom de toute l'équipe du projet Quartier Lyon. Juste avant le confinement, on avait finalisé le jeu, donc il est globalement totalement fini avec toujours deux graphismes différents. Et donc là, on en était à la phase de voir avec les distributeurs et les imprimeurs pour pouvoir finaliser le jeu en fait. Ça avançait très bien et malheureusement, donc il y a cette histoire de confinement qui nous est tombée dessus. Donc au niveau de la distribution en boutique. En plus, comme toutes les boutiques sont fermées en ce moment, les distributeurs n'ont pas trop de visibilité sur quand ça va reprendre et comment ça va reprendre. Forcément, la partie sortie en boutique, ça va être assez allongée, retardée. Ça va être retardé à une date qu'on ne connaît pas encore du tout pour l'instant. On a vraiment très peu de visibilité là-dessus sur la réelle sortie du jeu en boutique. Par contre, nous, on travaille de notre côté pour vous faire la version pour vous, les contributeurs, le plus rapidement possible. Donc ça, on est en train de voir avec l'imprimeur pour pouvoir s'organiser pour, dès que les machines pourront être lancées, dès que lui pourra recommencer son activité, qu'il aura rattrapé tout le retard qu'il a pu prendre avec effectivement tout le délai de ce confinement, etc. Donc dès qu'il aura rattrapé tout ce retard pour qu'il puisse travailler sur notre jeu et sortir la version qu'on va vous envoyer. Donc dès que possible, on vous enverra vos jeux chez vous. Voilà, mais effectivement, il y a un délai qui va être encore à ajouter après le confinement de remise en route des activités, etc. Voilà, donc on essaiera de vous tenir au courant le plus rapidement possible et puis le plus efficacement possible au jour le jour, mais voilà où on en est aujourd'hui. Et évidemment, donc ça va nous permettre de ne pas attendre la vraie sortie avec le distributeur. Voilà. De notre côté aussi, évidemment, on fait les contreparties, on travaille sur les contreparties du financement participatif pendant tout ce temps-là, avec nos partenaires, puisque on est tous des petits artisans, donc on continue à travailler de notre côté comme on peut sur ce qu'on peut. Donc voilà, donc vous inquiétez pas, vous aurez aussi vos contreparties qui seront là en même temps que vos jeux, voilà. Et pour vous tenir au courant, vous pouvez aller voir sur notre site projetquartierlyon.fr et notre page Facebook Projet Quartier Lyon et bien sûr le groupe Communauté Projet Quartier Lyon dans lequel on va mettre aussi des petites questions au fur et à mesure, etc. Vraiment, on essaie de vous tenir au courant de l'actualité, donc n'hésitez pas à y aller, à laisser des commentaires, à poser des questions si vous en avez, voilà, donc n'hésitez pas. Et puis on espère vous retrouver le plus vite possible sur des événements, même si visiblement ce sera clairement pas avant cet été. Donc voilà, donc à bientôt et puis prenez soin de vous.